Κάνω χορό τα τελευταία 15 χρόνια και είχα κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες με το πάτωμα. Γιατί για να χορέψεις θέλεις ένα πάτωμα. Ξαφνικά βρίσκομαι μέσα στο βυθό, μέσα στο νερό, το πάτωμα εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα το σώμα μου εκεί να είναι πολύ πιο ελεύθερο, να κάνω πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμουν. So working with the disabled divers was very rewarding because every small step in the direction of becoming a diver for them was a huge one. So every huge step for them was a great experience and they really enjoyed it. Ça fait maintenant deux ans qu'on a commencé à mettre les premières fondations de ce projet. Ensuite, on a eu l'entraînement pour la plongée, puisque c'était la rencontre entre des danseurs et des plongeurs. Et les danseurs, il a fallu les former à la plongée. Et puis aussi, c'est une grande équipe hétéroclite avec des danseurs qui viennent de Chypre, de Grèce, de France, des danseurs handicapés, des enfants, des adolescents. Donc très difficile à réunir tout le monde.